Salut à tous et à toutes. Mon frère, ma soeur qui me regarde, tu connais Stéphane de CSTV? Ok, si tu ne connais pas Stéphane de CSTV, va sur YouTube. Écris CSTV. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Ok, très chers fanatiques, c'est de bonheur le combat, le maître à gaz. Rendez-vous au Code Barré ce jeudi de Bordeaux le Koumfa avec ses chorégraphes les plus pimpants en ce moment. C'est nous contre eux, ça chauffe pas. J'ai dit position Code Barré, tuage n'est pas tuage. Tu as dit ça, chouba, c'est le mémé. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, super, très bien. J'espère que mes abonnés aussi vont super, super bien. Merci pour le soutien. Nous avons passé là-bas des 4 millions de vues sur notre chaîne. Franchement, merci, merci, merci. C'est à vous le merci. Et merci à Dieu. Voilà, vous venez d'entendre quelqu'un qui me coûte cher, quelqu'un pour qui je respire, quelqu'un pour qui je me bats. C'est mon artiste de Bordeaux, Likoufa. Un artiste très spécial. Voilà, il ne fait pas sortir beaucoup de sons, mais quand il fait sortir un seul son, tout le monde veut l'avoir. Ça, c'est une grâce divine, c'est Dieu qui bénit. Voilà, donc il vous donne rendez-vous aujourd'hui, ce soir, du côté de Zone 4, au Côte Barré. Voilà, il va venir faire la magie encore avec ses danseurs. Franchement, c'est un artiste à suivre. Parce que ce 29 décembre, là, je pense qu'Arafat Dédé, il a chaud. Il a vraiment, vraiment chaud. Les Chinois, apprêtez-vous. Parce que mon artiste, je le connais, il est super, super talentueux. Ce sera un duel. Et ce jour-là, tout va finir. Vous allez comprendre qui est de Bordeaux Likoufa. Qui est le maître, maître. Qui est le mimi. Qui est le meilleur ami du Jolly, le Daeshikan. En tout cas, le Daeshikan. Mon artiste va t'apprendre à chanter. Il va te donner des cours de musique. Il va te montrer les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, il est trop confiant. Ça chauffe pas. Donc, rendez-vous à tous les fans et de Bordeaux Likoufa du côté de Côte Barré, en zone 4. Il vient fracasser un peu. Voilà, il vient vous égayer un peu. C'est pas sa photo. C'est Agazagaza qui contrôle actuellement. Voilà. C'est Agazagaza qui contrôle même. Ceux qui vont dans les boîtes de nuit actuellement là, peuvent témoigner. Arachini actuellement est en train d'être inquiété. Parce qu'il s'en signe pas vraiment, vraiment, vraiment. Il est en train d'être inquiété. Même si je vais parler de lui dans cette vidéo-là, faut que je vous dise ça. Voilà, c'est Debordo lui qu'il faut aller là qui contrôle. Agazagaza. Agazagaza. Ouais, c'est Debordo qui fait ça. Structuration musicale, ils ont parlé, parlé, tous ils dansent actuellement. Rendez-vous. 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 29 décembre 2018, Ivoire Golf Club. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Et puis calmez-vous. C'est vrai que je me plains de la lenteur de la publicité, mais comme c'est Orange qui est dans le mouvement, il y a confiance. Ils vont démarrer bientôt. Voilà, il y a confiance. Comme Orange n'aime pas faire les choses dans la dentelle, donc soyez tranquille. Voilà, je dis merci aussi à mon ministre Madiaï depuis l'Allemagne qui a bien voulu introduire cette vidéo-là. Big up à toi, mon ministre. Big up à Mousse depuis Abengourou. Big up à mes abonnés fidèles. Big up à mon père, à moi. Oui, ce monsieur-là qui est prêt à 1000% pour son petit. Parce qu'il connaît l'esprit de son petit. Il est fan de la philosophie de son petit. Monsieur Patrice. Depuis les States. Il n'y a pas l'homme. Nous aussi, on parle. On a notre petit quelque chose, quelqu'un aussi. Voilà, ça ne chauffe pas. Testez, restez. Ok. On va aller maintenant pour le sujet de la vidéo. Oui. Ariel Chiné vient de dépasser la barre des 3 millions de vues sur YouTube en 31 jours. Oui, c'est à applaudir. Je n'ai pas encore vu un artiste, à part Kérosène qui l'a déjà fait, hein, le fait. Ouais, c'est à applaudir. Kérosène aussi, en 63 jours, il a 5 593 000 vues. Plus de 5 593 000 vues. Vous savez pourquoi il fait cette vidéo-là? Parce que c'est pas intéressant ce que je vois, c'est pas intéressant ce que j'entends. Arrêtez d'être jaloux du succès des autres. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Arrêtez d'être jaloux du succès des autres. Quand c'est vos artistes qui font des records sur les chaînes YouTube, là, c'est pas vu acheter. Là, c'est pas vu voler. Là, c'est pas vu pomper. Apprenons un peu à encourager les amis. Changeons nos mentalités. Je puis là, j'ai fait au moins 100 vidéos pour parler des changements de mentalité, changement de vision. Voyons la vie autrement, ça va nous aider nous-mêmes et puis ça va aider la culture ivoirienne. Si ça aide la culture ivoirienne, ça va aider la musique ivoirienne. Et de surcroît, nos artistes, on n'a qu'à changer ça là. On n'a qu'à changer ça là. Je suis venu juste vous expliquer et vous révéler pourquoi je vous dis que Ariel Chiné et Guerlain Didier ont bel et bien eu leur vue sans tricher.
Vous connaissez un peu la sponsorisation sur YouTube. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. C'est-à-dire que tu as un budget et puis il y a une option dans le tableau de bord de ta chaîne où tu peux faire ce qu'on fait sur truc là, sur Facebook, à sponsoriser ta vidéo. Voilà. C'est comme ça, vous voyez, souvent nos vidéos, il y a des personnes qui placent des vidéos, soit des clips vidéo, soit des petites vidéos pour aller télécharger une application, c'est comme ça que ça marche. Et moi, j'ai déjà vu, pour petite indiscrétion, les Force One, vous n'êtes pas vous, ils ont déjà fait publicité sur ma chaîne. Vous comprenez un peu, non? Moi, j'ai déjà vu ça. Donc, je me dis, eux, ils ont sponsorisé, vous n'êtes pas vous, il n'y a pas de discuter. Des screenshots n'est pas fait. Et en âme et conscience, ils vont le reconnaître. Ils savent qu'ils ne mentent pas. Parce que c'est nous, YouTubeurs, là, qui sommes bien placés pour savoir. Si tel artiste ou tel artiste a sponsorisé sa vidéo, mais sa musique ou pas. Oui, parce que la sponsorisation là, quand tu payes à YouTube, YouTube place ta vidéo sur toutes les chaînes monétisées sur YouTube. C'est-à-dire toutes les chaînes qui peuvent recevoir de la publicité sur leurs vidéos. J'ai vu la publicité de Kendrick Lamar pour son concert sur ma chaîne. Plein d'artistes comme ça. Béra même, c'est un grand sponsoriseur de trucs, de vidéos sur YouTube. Lui, il vole pas. Lui, c'est sa gamme, c'est sa technique à lui. C'est même pas du vol. C'est légal. De la même manière que vous pompez vos j'aime sur vos pages Facebook, là. C'est comme ça si un artiste peut payer pour qu'il soit plus vu à l'international et par plus d'hommes. Mais Kérosène et Arachiné n'ont pas fait ça. Parce que s'ils avaient fait ça, au moins une fois, les vidéos apparaissent sur ma chaîne. Il ne va pas les chaînes des autres, hein, sur ma chaîne. Et s'il y a un youtubeur, mais s'il y a une chaîne de YouTube qui dit, monétisée, qui dit que ils ont déjà vu la vidéo des trucs à enchaîner ou de Kérosène DJ sur les chaînes, franchement, ils n'ont qu'à faire une vidéo pour me dire. Parce qu'ils savent très bien que c'est faux. Je vous explique encore deuxième argument pour vous montrer pourquoi je dis que ces deux-là n'ont pas voulu les vues sur YouTube. Avant la sortie officielle, je prends le cas quelque chose de truc de Kérosène. Avant la sortie officielle de son morceau sur YouTube, Karel Kongosa, c'est une chaîne, je crois que c'est pour une Camerounaise, Karel Kongosa a mis la vidéo où ça, Kérosène chantait, et puis c'est-à-dire elle a fait un collage, et puis Samuel Ote aussi écoutait le son de Kérosène. Cette même vidéo-là, de cette chaîne lambda qu'on ne connaît pas trop là, a fait plus de 600 000 vues. C'est pour dire que quoi? Premier argument, Kérosène a commencé à être très suivi à l'international. Deuxième argument, c'est parce que son morceau est intéressant. C'est pourquoi il a fait beaucoup de vues en ce nombre de jours-là. C'est pas magie. C'est pas magie. Parce que demain, vous êtes là en train de dire, ils ont acheté vues, ils ont acheté vues. Ce qui n'est même pas le cas. Moi, j'affirme. Demain, quand vos artistes vont faire ce genre de record-là, que quelqu'un va venir dire, oh, et ceux-là, ils ont acheté vues parce qu'ils ont vu les kérosènes, les trucs arrangés, faire des records, ils sont allés acheter vues. Ça vous fait mal. Vous allez dire que c'est faux parce que c'est vos artistes. Arrêtez ça. La musique ivoirienne n'a pas besoin de ça, les amis. On n'a vraiment pas besoin de ça actuellement. On doit s'entraider. On doit encourager. Aïe! On a vu les des Bordeaux avec, on va dire, 11 000 abonnés. Ils ont fait 1 million de vues en une semaine. Mais pour Devoré, vous expliquer. Devoré n'achète pas vue. C'est le mec, il dure après de faire sortir un son. C'est un record qui bousille sur YouTube, là. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, quand il annonce un son, là, il est très attendu. Donc, il a fini à faire. Quand il est une semaine, les premiers jours, là, il a fini à ça. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec, chose, comment on appelle ça, Agazagaza, là, le son qui fracasse actuellement. Il est en 11 heures, il a fait 101 000 vues. En un jour, 200, plus de 220 000 vues. Il n'y a pas été scoopé des gars à faire ça. Même Arachiné et puis Colonel Nam, ils n'ont pas fait ça en un jour. C'est parce que le morceau est bon, les gens partagent. On parle de Colonel partout. Actuellement, on parle de Savarek partout. Actuellement, c'est normal qu'ils aient beaucoup de vues. Normalement, les vues même qu'ils ont là, mais c'est pas beaucoup parce que si c'était des artistes anglophones, ils allaient avoir plus que ça parce que les morceaux sont trop bons. Il y a quoi dans la jalousie? Encourager un jour, encourager un jour. Il y a rien dans la jalousie. Oui, vous pensez qu'il allait venir dire que non, Kérosène a payé vues. Ils n'ont pas payé vues, les amis. Victoire là, c'est intéressant. Simpa là, c'est intéressant. Donc, quand les gens écoutent, le clip est beau. Ils vont partager. Vous vous plaignez, mais vous ne partagez pas les morceaux de vos artistes. Vous ne partagez pas les sons de vos artistes. Ils vont faire vu comment? Ils vont faire vu comment?
Et quand il y a d'autres artistes qui sont en train de mousser, Dieu en train de bénir un peu, ils font les records, ils cassent les vues, vous êtes jaloux. Arrêtez votre sorcellerie là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ariel Chiné et Kérosène sont en train de bousiller YouTube actuellement là. C'est leur chance, c'est leur jour de gloire, c'est leur heure de gloire. Ils n'ont qu'à en profiter. Ils n'ont jamais voulu vivre ici. Changez un peu votre mentalité là, changez ça. Moi, ils vous attendent au tournant. Hein. Ils vous attendent au tournant. Vous pensez que nos artistes vont plus faire sortir son. Vous ne pouvez plus sortir clip. Qu'ils m'ont fait les records là. Et puis les gens vont parler là. Ils vous attendent. Ils ont fait vidéo contre vous. Parce que arrêtez ça. On a bien. Oh, ça, truc, comment il s'appelle Didier Rabat ici avec son truc là. Comment il s'appelle là Kailada. Il a fait 1 million de vues en une semaine. On a applaudi. Personne n'a dit qu'il a acheté vue. Il a fait de même avec Edo Sabato. On a applaudi. Mais pourquoi quand c'est les autres là, ils ont volé vue. Vous même quand même réfléchissez. Vous gagnez quoi à faire ça? Et généralement, il sait que c'est les gens qui souscrivent, passent 200, 150, 200, 150 là, qui font ça. Arrêtez un peu. Changez un peu votre esprit. La musique, vous n'en avez pas besoin de ça. Donc, rendez-vous ce 24 novembre du côté de Palais de la Culture. C'est de ça qu'il s'agit pour soutenir Kérosène DJ. C'est ce samedi là. Dit qu'il est en train de finir. Au lieu de parler direct ton écran en lançant un mauvais commentaire là, va payer ton ticket et puis va le soutenir. Voilà, c'était Hérito. Passez une très bonne journée. On est ensemble et rendez-vous à 18h.